Je suis ton père. Et bonjour. Alors je sais pas quand cette vidéo sortira, ni même si elle sortira d'ailleurs, parce que je suis pas sûr que ce soit super intéressant tout ça. J'utilise des machins comme ça là. On est bien loin de la menuiserie. C'est de la charpente moderne. Pour les puristes, vous pouvez vous barrer tout de suite. Voilà, je voulais juste partager avec vous ces quelques travaux que je fais dans la maison. Il s'agit de finaliser une surface de plancher qui est au-dessus de ma tête là. Je vais vous montrer quelques photos pour savoir où on en est. Donc j'ai mis en place déjà toute la partie structure poteau, comme ça, sur le mur à colombage qui est déjà existant. J'ai pas voulu m'appuyer sur ce colombage qui est très vieux. Je pense qu'il tient très bien, mais j'ai pas voulu venir lui tirer dessus. J'étais pas trop chaud à apporter des contraintes supplémentaires. Voilà. Donc j'ai refait des semelles, hein, vous avez vu dans le timelapse. Donc des semelles d'appui pour être appuyé propre. J'ai pris des platines pour pouvoir régler mes hauteurs de poteau et pas me prendre le chou. De toute façon, il y a encore une dalle en béton qui va venir par-dessus, donc ça va venir diminuer encore un peu la hauteur des platines. Et les platines vont être noyées là-dedans. Je remercie d'ailleurs la personne qui m'a validé tous les calculs de charpente et de contraintes. Merci à lui de s'être penché sur la question parce que c'est un professionnel et qu'il n'a pas que ça à faire, de s'occuper des amateurs comme moi qui veulent faire tout seul. Voilà, on n'a qu'à se démerder hein, si on veut se démerder. Donc, merci à toi. Donc j'ai fini la structure porteuse, j'ai quasiment mis toutes les solives hein, qui vont supporter le plancher. Le plancher, ce sera de l'OSB de 25
Alors, je vais vous montrer. Là, j'ai commencé à faire un chevêtre. Je vais vous montrer le chevêtre. Voilà, donc là-haut, vous voyez le chevêtre, en fait. Donc, les deux solives que vous voyez sur les côtés, là, elles vont être doublées, mais je n'ai pas encore reçu mes sabots de 80 pour les mettre en place. J'ai juste mis en place pour voir ce que ça allait donner. Donc là, sur la droite, il manque encore quelques solives de renfort qui vont venir comme là, sur votre gauche. Celles qui sont en longueur, là, ouais, elles doivent faire presque 2 mètres. En fait, elles vont être doublées. Je vais les doubler parce que je considère que la portée le mérite. Voilà, donc ça va être doublé ici, de chaque côté là. Et c'est pour ça qu'il me faut mes sabots de 80. Voilà, je reviens avec vous. Donc j'attends mes sabots de 80, j'attends encore un peu de visserie. Je me suis dépanné à la quincaillerie du coin. Et là, ce que je vais faire maintenant, ça va être de mettre en place ici de l'isolation sur cette paroi. Parce que à l'endroit précis où je suis, en fait, c'est pas chauffé, c'est ouvert à tous les vents. Donc en hiver, jusqu'à ce que je mette une porte isolante et machin, on est à la température extérieure. Et de toute façon, après, par la suite, cette pièce ne sera pas chauffée. Alors que de l'autre côté de ce mur-là, il y a la pièce à vivre. Voilà. Donc ici, isolant, je vais mettre 120 mm de laine de verre, en laine de verre mural, c'est là. Par-dessus, je vais rajouter une espèce de bardage, un doublage en OSB, parce que je n'avais pas envie de mettre du placo, puis comme ça va être un peu un garage, je préfère que les murs soient un peu costauds. Donc je vais mettre de l'OSB de 12, qui est rangé là sur les côtés. Et je vais laisser une lame d'air entre la laine de verre et l'OSB d'environ 2 cm, hein, pour pas avoir de problème de pourrissement et tout ça. Voilà, voilà. Donc bah, c'est comme ça que c'est prévu mon histoire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Si, un truc que je vais rajouter, j'ai pas dit, le chevêtre que je vais mettre là-haut, c'est pour permettre de monter des matériaux quand je vais faire les chantiers qui vont être juste au-dessus, et puis pour éviter d'avoir à se grimper par l'escalier certains trucs. Du coup, temporairement au-dessus, je vais mettre un moyen de levage. Pareil, pour le moyen de levage, j'ai reçu les élingues, mais j'ai pas encore reçu le treuil. Donc je vais mettre un moyen de levage qui me permettra de monter tous mes matériaux, etc. Et puis après, par la suite, il y aura une trappe que je pourrai ouvrir quand j'en aurai besoin, qui sera recouverte avec le joli plancher qu'il y aura au-dessus, une fois que j'aurai posé ça par-dessus l'OSB. Et cette trappe me permettra de temps en temps de monter des trucs volumineux par là, je sais pas, un canapé, des trucs comme ça, plutôt que d'aller passer par un escalier à la con. Voilà, voilà. Je vais me remettre au boulot, mais ça va pas se faire tout seul, hein. Thank you.
Et voilà, bah, je crois qu'on a bien bossé. J'ai posé toute l'isolation là, sur tout le mur. C'est férié, mais j'ai bossé quand même. Puis d'après ce que j'ai compris, il y a pas mal d'artisans qui bossent aussi les jours fériés. Messieurs les artisans, et mesdames. Que bah, toute la structure est terminée, j'attends toujours mes sabots de 80 pour finir le chevêtre. Pirouette. Tu veux faire la vidéo avec moi? Alors, donc j'attends toujours les sabots de 80 pour finir le chevêtre. Ce qui me reste à faire, bah, c'est tout le doublage en OSB. Voilà, par-dessus l'isolant. Bah, je vais vous montrer l'isolant. Voilà, voilà. Voilà, bah donc le doublage en USB par-dessus. Après, pareil au plafond. Je double d'abord dessous, parce que comme ça, je pose l'isolant par-dessus. Je me fais pas chier. Et après, seulement, je mets le plancher. Le plancher, c'est vite réglé. La suite au prochain numéro. Allez.